بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا s'il te plaît n'oublie pas de faire الحمد de remercier Allah subhanahu wa ta'ala اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide. N'oubliez pas que nous avons beaucoup de choses en commun et que nous ne sommes pas là pour se confronter, pour s'entretuer. Et j'ai pas oublié de dire à mes frères et sœurs en islam un lien extrêmement important qui est le lien de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quel bel engagement de paix, de miséricorde et de bénédiction. Sur les interventions que j'ai fait aujourd'hui, j'ai peut-être pensé que mes dents sont aura, donc je vais commencer à faire quelques sourires. Ou peut-être je suis extrêmement concentré aujourd'hui, je ne sais pas ce qui me fait concentrer à ce point. Mais je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala, je vous respecte en Allah subhanahu wa ta'ala, et nous essayons d'avancer pour éviter que le monde s'embrase et pour rappeler que nous sommes là pour se connaître. وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Nous avons créé des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. إن أكرمكم عند الله أتقاكم Les plus proches, Allah subhanahu wa ta'ala, sont les pieux. Et le critère de l'évaluation de la piété n'est pas entre mes mains, n'est pas entre les tiennes. Il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une sœur me dit « Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mon cher grand frère Abu Umam, wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, ma chère petite sœur, jazakallahu khair. » L'autre soir, je tenais une conversation avec mon grand frère concernant le pèlerinage. Il se demande si ce n'est pas anti-islamique d'aller financer des états pseudo-musulmans dirigés par des princes et rois qui pillent leur pays et qui pactise avec l'ennemi sioniste. Qu'Allah te donne le paradis, qu'Allah renforce notre foi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah te guide, ma soeur, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne. Allahumma ardina wa arda anna, Allahumma aqbalna wa taqabbal minna. Dans cette mode d'aujourd'hui, dans cet accouchement islamique, dans cette renaissance de l'islam, comme j'ai souvent rappelé, l'accouchement est dur. Je ne sais pas si vous avez assisté à l'accouchement ou si vous avez entendu parler de ça. Mais l'accouchement est difficile et lourd. La mère, la pauvre, souffre beaucoup. Et c'est aussi une occasion pour elle pour qu'Allah lui pardonne tous ses péchés quand elle est en train d'accoucher. Donc elle devient après l'accouchement une page blanche de péché. Donc l'accouchement de l'islam aujourd'hui est lourd et difficile. Il y a beaucoup de dégâts qu'on appelle les dégâts collatéraux. Il y a des dégâts aujourd'hui. Surtout à cause de l'ignorance de beaucoup de musulmans. Et à cause de l'acharnement des non-musulmans. Et les injustices que les non-musulmans font subir aux musulmans. Ce qui fait que le retour de l'islam qui prépare l'arrivée de l'khilafa sur la voie du prophète, parce que vous savez que le khilafa va revenir, et il est plein de mauvaises choses, et il est plein d'épreuves, et il est plein de problèmes qui sont tous justifiés, tous ces problèmes sont justifiés par l'ignorance des musulmans, l'acharnement et les injustices des non-musulmans. Les musulmans, si c'était que l'ignorance, on va dire c'est pas grave, mais c'est l'ignorance et l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même ceux qui prétendent être dans le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et la réconciliation avec lui et ce qu'on appelle l'iltizam bid-din, ça veut dire s'accrocher à la religion, même eux, à cause d'une ignorance malheureuse et souvent un éloignement de la globalité de l'islam, font des ravages. Donc ce qui circule aujourd'hui dans le monde musulman et ce qui a circulé tout au long de l'histoire musulmane, parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a eu entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous, il y a eu zéro, il n'y a eu rien eu. Il y a quand même 1400 ans d'histoire musulmane riche
extrêmement riche d'enseignements, mais nous, on ne lit rien, on ne connaît rien, on ne veut pas apprendre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de refaire les mêmes erreurs. Tout ça pour dire quoi? Dire que nos dirigeants sont tous des kofars, c'est un raccourci malheureux. D'accord. Dire que tous nos dirigeants, tous ceux qui dirigent le monde musulman, il y a aujourd'hui 56 pays, je pense, musulmans, d'après ma mémoire, qui est en train de souffrir en ce moment. Donc, un nombre d'États musulmans. Si on croit que tous ils sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, kuffar, c'est malheureux et on ne doit pas le dire en plus. Il est interdit aux musulmans de dire tel musulman est kafir. Ça, c'est le domaine des savants, des grands savants, et même eux mettent des gants avant de le faire. Dire aussi que nos dirigeants ont tous fait un pacte avec les sionistes, c'est malheureux. Dire aussi que il faut prendre les armes contre nos dirigeants, c'est malheureux. C'est une incompréhension de l'islam. C'est une non-connaissance de l'islam. Isma'u wa ati'u wa law ulliya 'alaykum 'abdun habashi. Écoutez et obéissez, même si celui qui est devenu votre prince ou votre dirigeant est un esclave éthiopien. C'est la métaphore. Ça veut dire écoutez, obéissez. Madame, tant que ce qu'il montre, c'est pas le kufr sarih, c'est pas la mécréance pure. Et ce que j'essaie de vous dire, s'il vous plaît, c'est que avant de vous lancer dans le fait de dire tous ils sont des mécréants, tous ils ont fait un pacte de sionisme, ça veut dire on peut prendre les armes, et c'est ce que attend avec impatience pas mal de frères, lisez un peu, écoutez les savants ce qu'ils disent, et ce ne sont pas les savants d'une seule école ou d'un seul pays, c'est Majam al-Fiqh al-Islami au niveau mondial, qui nous disent ce qu'il faut qu'on fasse par rapport à nos dirigeants, et qui nous expliquent les versets, et qui nous expliquent les hadiths. Moi, je vous fais le résumé de tout ce que j'ai pu lire autour de ça, et de tout ce que j'ai pu écouter chez nos chers autour de ça. Donc attention, le hajj est obligatoire, mon frère. L'iman istata'a ilayhi sabila, celui qui a la possibilité de faire le hajj, qui part faire le hajj, il fait le hajj pour Allah, il ne le fait pas pour les beaux yeux des princes saoudiens. Donc les frères, sachez que le niveau de division des musulmans était beaucoup, beaucoup plus lourd qu'aujourd'hui. À une époque, mon frère, ma soeur, juste avant l'arrivée de Salah ad-Din al-Ayyoubi pour récupérer l'Aqsa, il y avait pour chaque ville ou pour chaque village un prince. Ça veut dire qu'il y avait des milliers et des milliers de petites principautés. Imaginez le niveau de division. Au moins aujourd'hui, il y a des pays. Il y a 56, allez, jusqu'à 60 maximum de petites douaylates, de petits pays. Mais à l'époque, il y avait chaque village, chaque ville, dans tout le royaume musulman, dans toute la terre musulmane, il y avait un prince qui se divisait avec les autres et qui appelait à chaque fois les croisés et les tatars et les koufars à chaque fois pour l'aider contre son frère musulman. Nous avions à l'époque atteint ce niveau de bassas. Et à chaque fois, nous, savants ont toujours refusé de combattre. Et ils nous ont toujours déconseillé de prendre les armes. Parce que quand tu prends les armes, la fitna qui découle comme conséquence est incontrôlable. Et nous avons les exemples sous les yeux, nos yeux. Quand les Mujahidoun ont débarrassé l'Afghanistan de l'ex-URSS, ils ont commencé à s'ennuyer. Ils n'ont plus rien à trouver à faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à s'entretuer. Ça, vous l'avez oublié. Notre mémoire est courte, malheureusement. Nous avons le syndrome de l'oubli. Mais Ibn Baz, alayhi rahmatullah, avait tout essayé pour participer à la réconciliation entre les Mujahideen. Et il n'a pas réussi. Et ils ont commencé à s'entretuer. Les musulmans ont commencé à s'entretuer. Donc attention, c'est des fitnas énormes. C'est pour ça que nous savons, nous déconseille ça. D'accord? Donc mon frère, pars faire ton hajj et laisse
ces pensées mauvaises et malheureuses de côté. Allahumma hdi umara'ana wa mulkana. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad.